Hey, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Oh là, moi ça va vraiment vraiment bien, vous voyez? Soleil, il y a du soleil. Tellement longtemps qu'on attendait ça. On sort avec des journées pluvieuses, froides. Alors, il fait pas chaud chaud. Ce matin, il faisait même un peu frisquet, mais là, le soleil, ça fait vraiment du bien, c'est super agréable. Aujourd'hui, on est où? On est dans le 10e arrondissement. On est rue du Château Landon, juste en face du métro. Il est là, on va passer devant d'ailleurs. Donc derrière la gare de l'Est. Et aujourd'hui, donc, c'est pour vous, mes abonnés acquéreurs, primo-acquéreurs, même investisseurs également. Parce que ce qu'on va aller voir ensemble, c'est un petit deux pièces. Alors les diagnostics sont en cours, mais il doit faire dans les 36-38 mètres carrés à peu près. Intégralement à rénover. Ah ouais, il y a tout à refaire. Franchement, il y a vraiment tout à refaire. Mais le plan est vraiment pas mal. Il y a des belles choses à faire. Il y a vraiment un super potentiel pour faire une belle pièce de vie avec la cuisine américaine, grande salle de bain, parce qu'aujourd'hui la cuisine est séparée, mais on pourrait faire une salle de bain. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Un grand studio, on peut tout ouvrir. Enfin, pas mal de trucs à voir. On est aux 4 rues du Château Landon. C'est un bel immeuble ancien. On est sur l'immeuble de Surcourt, du coup, c'est hyper calme. En plus, on est plein sud. Vous allez voir, là, il y a du soleil. Bah, y a un beau soleil, c'est une belle lumière en fait dans l'appartement. En plus que là aujourd'hui, vieille tenture, moquette au sol, vieille peinture, donc du coup la luminosité n'est pas au top, mais on peut vraiment faire quelque chose de super sympa. De toute façon, on va aller voir ça. Et je vous le rappelle, je diffuse systématiquement en avant-première toutes les nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Du coup, bah, pensez à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucune des nouvelles opportunités. Celui-ci est vraiment pas mal. Encore une fois, un premier achat. Parce que du coup, quand tout est à refaire, le prix est en conséquence. Et on peut vraiment faire quelque chose à son goût. Investisseur également, le quartier est très demandé. Le quartier est vraiment bien placé. C'est bien desservi. C'est calme. C'est safe. Oui, il y a une gardienne dans l'immeuble. Donc, c'est vraiment safe. Double digicode, etc. Enfin, tout ce qu'il faut. Donc, même effectivement, pour un investisseur, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Pour rien vous cacher, j'y ai réfléchi pour moi aussi. Après, on ne peut pas tout faire. Et là, j'ai trop de lignes de crédit ouvertes. Du coup, je me restreins un petit peu. Mais ouais, il est vraiment sympa. Donc, ça t'est dit, ben, c'est parti. Ça, c'est la rue du Château Landon. L'immeuble est juste là, c'est le bel immeuble qu'on voit sur la droite après la grande barre blanche là. Le métro, gare de l'Est, Château Landon. La gare d'Est est juste là. Donc vraiment, le métro est juste en face de l'immeuble. Après, il y a aussi les bus qui sont ici. Il y a les bus par là-bas aussi. Enfin, là, il y a plein de commerces. Franchement, le coin est vraiment, vraiment sympathique. Il y a tout ce qu'il faut. Là, le restaurant-bar ici, Château Landon, le patron est super sympa. Je vais prendre mes cafés régulièrement ici avec la propriétaire de l'appartement. On est sur une succession. Hein. C'est pour ça que l'appartement est en état décrépit. En bas de l'immeuble, on a un barbier. Il y a aussi un salon lounge qui est fermé, la laverie qui est ici, mais vous aurez la possibilité de mettre une machine à laver le linge dans l'appartement. Pizzeria, enfin, le quartier, il est quand même riche, très très vivant. Pharmacie là-bas, il y a aussi bien sûr les Monoprix, Franprix, etc. Donc, l'immeuble, c'est celui-ci, le 4-6 rue Château Landon. Vous voyez, on est sur un magnifique immeuble en pierre de taille. Là, la porte d'entrée, elle est juste énorme. Donc non, on est vraiment, vraiment pas mal. Ok. Alors, c'est parti. Donc pour rentrer, Digicode ou Vigic. Moi, je prends le Vigic et la porte est une porte mécanique, si ça marche. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. C'est magique. Attention à la marche. Donc la gardienne est ici à droite, à résidence, bâtiment A. Bâtiment B. Nous, on est sur bâtiment C, Surcourt. Ok. Donc, on va être au troisième étage, sans ascenseur. Vous voyez, là où c'est ouvert. Ça, c'est la cuisine. À côté, on a la pièce de vie. Puis là où c'est ouvert, il y a la chambre. Donc là, comme vous pouvez le voir, la chambre, elle est plein soleil. La pièce de vie, le soleil est en train d'arriver. Il est quelle heure, là? Il est 11h57. Ok. Et la cuisine, pareil, plein soleil.
Et ça va être comme ça en fait, tout l'après-midi. Hein. Vous le verrez sur l'annonce, je vais faire le diagnostic luminosité, donc vous l'aurez. On a un appartement qui est lumineux et ensoleillé, donc c'est vraiment pas mal. La cour ici est quand même sympathique, vous voyez, assez agréable. Verte. Donc, est pas mal. Là, ici, pour rentrer, par contre, là, c'est un digicode. Est vendu avec l'appartement une cave. L'accès aux caves est par ici. Je n'ai pas la clé sur moi. Je tâcherai d'avoir une photo pour la mettre sur l'annonce. Mais la cave est une cave qui doit faire à peu près entre 5 et 6 mètres carrés, qui est saine. Puisque là, il y a plein d'affaires, etc. Et tout. Ça a été vidé. Il y a encore un peu de vin, mais c'est ça. Donc la cage d'escalier, comme vous pouvez voir, les peintures ne sont pas toutes neuves, mais c'est pas si vieux que ça. C'est bien entretenu, super escalier. Enfin, je vous ai dit, ah oui, vous avez vu, il n'y a pas de boîte aux lettres. Au niveau de l'immeuble, la gardienne distribue le courrier. D'ailleurs, on va regarder. Alors, je ne sais pas si vous avez vu non plus. Vous voyez, les paillassons sont tous les mêmes. On tourne le même paillasson. Et le courrier, bah, il est sous le paillasson. S'il y a du courrier. Voilà, on est arrivé, troisième étage. Non, pas de courrier. Donc non, les lumières ne sont pas allumées. Voilà, vous voyez le soleil qu'on s'est arrivé dans la pièce de vie aussi. Alors, à noter, sous la moquette, on va voir le parquet. Certainement le même parquet qu'on a ici, en fait, dans l'entrée. On l'a en dessous, hein. Donc voilà, à récupérer. Alors, on a une entrée qui dessert le toilette, la pièce de vie et aujourd'hui la cuisine. D'accord ? Au fond, on a la chambre. La salle de bain, ici, donne sur le séjour. Donc d'office, on pourrait se dire, bah, je casse tout ça, je fais la cuisine américaine ici et la salle de bain là. C'est ce dont je vous parlais. Alors, on va regarder ensemble. Alors, vous avez le plan sur l'annonce. Mais on a du cloisonnement quasi partout. Ça, c'est de la cloison. Ça, c'est de la cloison. Bon, il y a la toilette, pas de raison de bouger, mais bon. Cloison, évidemment. Cloison. Cloison. OK ? Donc, on peut absolument tout ouvrir. On pourrait faire un gros loft, puisque les seules choses qui ne sont pas du cloisonnement, bah, c'est quand on sort de l'appartement. Hein ? Ah, mais ça, on ne va pas casser. On est sur du cloisonnement absolument partout. Il n'y a absolument aucun mur porteur nulle part, aucun poteau, aucune gaine. Puisque pareil, ici, il n'y a pas de gaine. L'évacuation, elle est large et elle arrive ici aux toilettes. D'accord ? Donc, on peut absolument tout ouvrir. Donc, on peut tout réimaginer. Le toilette, il est ici. Alors, c'est bien effectivement de l'avoir près de sa colonne, qui est juste là à droite, d'accord. Mais on pourrait très bien en fait, le déplacer sur la gauche, là-dedans, en le laissant sur ce mur-là, d'accord. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses, ok. Donc là, du coup, le toilette a été vu. Aujourd'hui, le ballon d'eau chaude est là. Donc la fameuse évacuation qui est ici, d'accord. En sachant que le toilette, lui, il va dans le sol directement. Donc, je ne pense pas qu'il aille sur une seconde colonne. Je pense qu'il rejoint cette colonne-là, juste en dessous. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ben, voilà. Comme le voisin du dessus. Le toilette qui rejoint la colonne, OK. Donc, on a exactement la même chose, en fait, ici. Ce qui veut dire que le toilette, on peut très bien mettre vraiment très, très loin par ici, puisqu'il faut compter à peu près 10 cm tous les mètres en termes de chute. Donc on peut effectivement le reculer, on va dire, de 4 mètres par là-bas, sans que ce soit en fait compliqué. Okay. La cuisine. Bah, évidemment, tout est à refaire. Hein. Au sol, on a le carrelage. Il y avait des espaces qui étaient hot ici. Bon, les fenêtres sont pas trop vieilles, hein. C'est ce double vitrage. Mais bon, c'est pas non plus dernière génération. Donc on pourrait en fait avoir envie de les refaire par quelque chose, je dirais, de plus récent, notamment avec plus de parois en fait verrées, d'accord. Mais en tout cas, on est déjà sur le double vitrage. En dessous, on a le petit garde-manger qui va bien. Ah, on a le charme de l'ancien, comme ça, c'est assez cool.
On est sur la cour, donc c'est très très calme. Vous voyez, on a quand même un bon dégagement visuel, on voit le ciel. Le soleil est à fond ici, enfin comme vous voyez, son soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. On est plein sud, hein. On est vraiment plein sud. Du coup, on a vraiment le soleil une bonne partie de la journée. Là ici, petit placard de rangement, on a du lambris au plafond. Voilà, donc là, il y a des choses à refaire, évidemment. Donc là, après, on a la pièce de vie, donc le soleil est en train d'arriver, comme vous pouvez le voir, pareil, double vitrage. Hauteur sous plafond, qui est une belle hauteur sous plafond, hein. On doit être dans les 2 mètres 60, je pense. À peu près, 2,60, 2,70, je mesurerai. Là, je passe en moi, donc en dessous, le parquet. Là, la salle de bain, donc on aime bien ça, hein. C'est très joli. Bon, donc à revoir, évidemment. Là, ici, on a une ventilation qui arrive directement sur la toilette. Et comme je vous disais, cloison. Cloison. Donc, si on garde la salle de bain ici, on peut même faire une salle de bain privative qui ouvre directement depuis la chambre. On ferme sur le salon. Comme ça, en fait, on rentre par là-bas. On fait une belle douche dans le fond, une belle grande douche ici, lavabo, tout ce qui va bien. Et donc, du coup, on a une salle de bain, en fait, parentale. Là, la pièce de vie, puis la chambre qui est une grande chambre. Puisque vous allez voir, la chambre est vraiment de belles factures. On a des moulures, on a surtout une superbe cheminée avec le miroir qui va bien. C'est assez marrant, mais bon, c'est comme ça, c'est dans la chambre. Alors, on a préféré ça, avoir ça, en fait, sur la pièce de vie, mais c'est pas le cas. Là, il y avait l'ancienne arche, puisque là, il y avait, en fait, un grand lit. Donc, pour ça, bien sûr, évidemment, lors des travaux, ça sera démonté. Anecdotique, mais bon, ça mérite d'être là. Petit espace de rangement pour les bouquins. Vous voyez, bon. Et là, bien sûr, ben là, le soleil rentre bien une bonne partie de la journée, puisqu'on est vraiment sur l'ouverture qui est ici. Donc, on a vraiment fait une belle rentrée de lumière. Je ne vous ai pas montré l'électricité, le tableau électrique, mais bon, comme vous en doutez, c'est pareil que le reste. C'est à refaire. Alors, dans le petit placard qui est là-haut, le tableau est là-bas. Voilà. Bon, à refaire intégralement, évidemment. Évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment en fait, beaucoup de possibilités. On pourrait dire, tiens, ici, je fais une belle pièce de vie, grande cuisine américaine, la salle de bain, je la fais à la cuisine. Ce qui ferait une très grande salle de bain. On peut aussi un peu la réduire. Vous voyez, en prenant qu'une partie, par exemple, bon, ça ne servait pas à grand chose, ça serait du rangement, ou en la réduisant un petit peu pour récupérer sur l'entrée, puisque là, on peut casser ça pour que ça fasse partie intégrante de la pièce de vie. Hein, les évacuations sont ici. Donc là, en fait, on a toute l'évacuation qui est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est là, et ça va, en fait, je vais vous montrer sur l'extérieur. L'évacuation, la colonne d'eau n'est pas en fait à l'intérieur, mais elle est à l'extérieur. Elle est là, d'accord. C'est une colonne de sang. Donc on est sur de l'eau usée. Donc techniquement, on peut aussi en fait penser à mettre le toilette à cet endroit-là, ici, avec un toilette. Et du coup, on casse tout ça. Et là, en fait, on a une grande pièce de vie avec la cuisine intégrée, mais on n'a plus de toilette, on n'a plus rien. D'accord. Techniquement, on pourrait en fait mettre la toilette dans la cuisine actuelle, puisqu'on a en fait une évac en sang sur l'extérieur. D'accord. Ben voilà, on a fait le tour de ce superbe de pièces à rénover. Je vous invite, voilà, sur le QR code, vous avez en fait avec ce QR code-là toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un WhatsApp, faire un SMS. Vous pouvez bien évidemment en fait aller sur l'annonce. Le lien, je vous le rappelle, et dans le descriptif de la vidéo. Je vous laisse m'appeler, me poser vos questions, puis au plaisir de vous rencontrer sur place ici pour qu'on puisse visiter cet superbe appartement ensemble. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon dimanche, un bon week-end ou une bonne semaine. En tout cas, profitez bien, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye les amis.